Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Travis Strike Again No More Heroes. Parce que oui, ça y est, maintenant tous les jeux Nintendo Switch ont décidé d'avoir énormément de mots en fait dans leur titre. Et donc du coup, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout, j'avais vu une petite bande-annonce qui avait l'air ultra cool en termes de gameplay. Je connais pas la licence No More Heroes, je connais pas Travis Strike Again. On va découvrir ça ensemble, on va découvrir du gameplay. Apparemment ça a l'air ultra fun, ultra jouissif. C'est dispo sur Nintendo Switch, c'est sorti aujourd'hui même. Et on va sortir notre nouvelle partie en haute, salée ou sucrée, en salée. On savait, puisque le mode difficulté un petit peu normal pour pouvoir découvrir ça ensemble. Oula. Bonjour. Oula, c'est particulier. Qu'est-ce donc? J'adore découvrir des jeux en direct avec vous, ça vous permet de vous faire une idée, voilà, de ce qu'on ressent dans les premières minutes, en général 20 à 30 premières minutes de gameplay, voir un petit peu à quoi ça ressemble et faire des vraies découvertes en fait. D'accord. C'est énorme, la sensation de oldies est énorme là. Et ce n'est pas un jeu oldies. Electric Thunder Tiger 2, ok. Presse le bouton A. Ok, c'est fait. Chargement. Alors le jeu est disponible en version boîte également, il n'est pas disponible qu'en version dématérialisée. Si vous voulez le lien pour l'acheter, c'est dans la description, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Si vous me suivez sur la chaîne en général, voilà. Mais monsieur, vous êtes tout nu, voyons. Alors? Ah, ok. Oh, on a un sabre laser, quoi. Déplacement. Hey, je peux vous poser une question? On est dans le jeu. Hey, attends, je veux pas entrer ici, c'est une zone interdite. La zone est complètement scellée. T'es pas dans l'ordre d'évacuer du gouvernement? Et non, je suis un gamer et je vais continuer à jouer jusqu'à ce que je finisse le jeu. Moi, c'est nous. Vous mettez pas en travers mon chemin. Tu comprends pas? T'as une autorisation? De quoi tu causes? Évidemment que non. Vous pouvez le sortir d'ici de force. Et voilà qui me plaît. Allez, en garde. Ne sous-estimez pas les jeux vidéo. Transformation. Je me transforme pas. Fond insuffisant. Vous n'avez pas assez de pièces d'aider. Quel dommage, Travis. J'avais l'intention de te tuer dans le tutoriel, mais j'ai besoin de plus de karma. L'aventure continue. Il faudra alors patienter avant d'étreindre le monde. Dis, vous pouvez pas abréger. Qu'est-ce que c'est chiant avec le jeu de nos jours. Prends autant pour commencer à jouer. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça brise le quatrième mur au moins. Obtiens l'autorisation avant notre prochaine rencontre. On va faire comme si on n'avait rien vu. Termine juste les événements ordinaires de type mission. Ok, alors il y a des petites pièces à récupérer là au milieu. Oh. Eh, au moins ils se font pas chier avec. Ils se font pas chier et au moins ils disent les choses. Hein. Tu vois. Alors. Phase de tutoriel, bien sûr, au début du jeu. Oula, qu'est-ce que. Bonjour. Backstreet Boys Red. Ok, il danse un peu. Il quoi, il y a des potes. Ah non, il y a une madame. Bienvenue dans la Death Drive Mark 2. Je suis le créateur de cette matriachine. Cette console est connectée à ton système nerveux via le Death Glove. Si tu ne restes pas concentré, tu mourras. D'accord, les consoles, les commandes sont intuitives, tu devrais t'habituer rapidement. Alors toute chose, un petit cours sur les commandes de base. Les ennemis n'ont pas tardé. Ok, maintenir l'attaque basique à gauche, maintenir pour faire des attaques plus puissantes. Oh là là, en mode sabre laser quoi. Et si on maintient. Ah! En fait si tu maintiens, ça attaque automatiquement. Ok, tu peux faire soit une fois, soit maintenir. Si tu dépiles les attaques basiques qu'on commence, rapproche le groupe, c'est une attaque rapide quoi. Essaye pour voir. Oh là 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 là, je suis ultra fan. Moi c'est fun à jouer. Ah tu vois, c'est basique pour l'instant. J'ai hâte de voir ce qui va s'ajouter à ça. Pour moi c'est efficace. Bug Sputnik Thread. Ok, ils sont des noms combattants, what the fuck. Attaque puissante avec le haut, d'accord. On va essayer avec l'attaque puissante. Waouh, ah oui, 25. L'autre ça faisait 5, tu vois. Celle-ci fait 5. Celle de gauche fait 5 et celle la puissante fait 25. C'est ce que je t'ai dit, ça va le finir en pâté, tu le fais et c'est tout. Ok. Ok, 25 et ça c'est 5. Ok, très bien. C'est noté. Chargé. Ah, on peut jouer avec le Joy-Con aussi sinon. Ces attaques concernent l'énergie de la Death Drive Mark 2. Malheureusement, un bug dans le système empêche l'énergie d'être transférée correctement. Tu devras recharger ton arme manuellement pour obtenir plus de puissance. Pour cela, il suffit de secouer la manette de haut en bas. D'accord. Essaye pour voir. Donc du coup, je dois appuyer sur le joystick gauche et faire le joystick droit. Sinon, avec le Joy-Con, ça se fait automatiquement en bougeant la manette. Ok. Ok, je fais quoi maintenant? Saut. On peut sauter. Débris des bugs de chemin. Maintenant, d'essayer le saut. Essaye, saute. Attends, ah mais attends. Ah ok. Ah d'accord, très bien, on s'est noté, monsieur dame. Des pièces. On sait pas à quoi ça sert pour l'instant, mais on récupère. Ça c'est pas un sabre laser, on dirait un néon, tu sais les néons qui font la lumière. Attaque sautée, c'est la classe, go. Oh là là, oh. Et le gameplay est ultra efficace.
c'est ultra nerveux pour le départ du jeu, c'est cool. Attaque puissante sautée. Ah mais y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de problème. Oh là là. Vas-y viens là. Ok, ça permet de faire des attaques de mêlée un peu. Ok, après. Abattre les ennemis est la chose la plus importante, mais éviter les attaques et tout aussi n'oublie pas l'esquive avec le bouton A. D'accord, on fait des petites esquives en, sur les côtés. C'est noté, monsieur dame. Padam 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 padam. Oula, va y avoir du monde. Je sens qu'il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Bam, boum. Bam. Allez, vous allez pas m'emmerder pendant 15 ans, les gars. Oh là, il y a même pas le temps d'esquiver tellement on les a butés rapidement. Attaque chargée, R, R. Et R. Ok. Ok. On peut jouer en coop, d'accord. Ah, c'est dans la direction qu'on veut. Attaque chargée, R. Attends. Allez, je peux pas là. Taisez-vous les gars, taisez-vous, ça suffit maintenant. Laissez-moi passer. Boum. Ah, ça dégage. Là, vous me donnez des pièces et vous fermez votre, votre tronchetta là. Boum. Attends. Boum. Oh, ils ont que 5 de vie eux. Ça va, tranquille, on est tranquille, tranquille. Ah non, ils en ont un peu plus. Boum. Ok, il reste lui. Ça c'est fait. Ok, on récupère des pièces. J'ai hâte de voir ce que vont donner les pièces après. Quoi, il en reste? Quoi, il reste des gens? What? Mais vous êtes combien les gars? Ok, mon sabre est rouge. Wop. Dégage. Ah, pour continuer à jouer, recharger. Ah, mais oui. Ah, il faut absolument penser à recharger son arme en appuyant sur le joystick, en fait. D'accord. Ok, shake. Shake. Attends, je vais recharger. Oula, attends, attends, attends. Oula, 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 oula. Oh, 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 oh. Tu vas te calmer, ouais. Ok, attends. On va recharger ça. Ok, parfait, on est bon, là. Putain, mais il y a combien d'ennemis? Attends. Ah, putain. Mais les gars, vous êtes combien? Ok. On recharge un peu son arme. Attends. Ok. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais te charger dessus. Boum. Voilà, c'est bon. C'est ça que tu voulais. C'était la charge en avant, mon gars. Ok. Encore? Ah non, c'est un mur. C'est un mur. Attends, on va recharger un peu l'arme. Vous voyez que vous avez là-bas la batterie en haut à gauche. Peu encore moins que tu peux le voir, ce sont des toilettes. C'est surtout un point de sauvegarde. Oh, ça me fait penser à Dead Rising. Oh, comme dans Dead Rising, les WC permettent de sauvegarder. J'aime bien. Non. C'est abus général. Le mec est en train de chier, genre normal, mais ça sauvegarde. Ok, bah pourquoi pas. Le gameplay est ultra efficace. Point de vie restauré. Bah oui, parce qu'en général, quand on va pisser un coup, ça le fait. Bienvenue, Travis Touchdown, dans le monde d'Electric Thunder Tiger 2. Comme tu peux le voir, je suis un mouton blanc, c'est moi qui gère la mémoire. T'as trouvé une Death Ball, tu as lancé la dernière, que veux-tu? Ton aventure peut paraître long, mais en réalité courte, ceux qui survivent sont désespérés. Depuis qu'il est passé de personnage principal à roi de ce monde, Triple Star a perdu sa raison d'être. Ok, tu sais mieux quiconque, les chaînes de la liberté sont les plus douloureuses. Bon, assez parlé pour le moment, on se reverra. Ouais, d'accord, monsieur. Oula. Oula. Wow. Attends. Attends, il faut que je recharge. Ah oui, mais il faut que je recharge mon truc. Je peux pas utiliser le. Je peux pas utiliser mon boost. Il faut que ma petite barre de 3 soit au max en fait pour pouvoir l'utiliser. Vas-y, dégage, ça dégage. Allez, ça dégage, les gars. Boum. Ah oui, ceux-là ils sont un peu plus forts. C'est vrai. Ok, celui-là je peux l'utiliser. Vas-y, recharge un peu ton arme, s'il te plaît. Recharge. Ok, c'est bon, c'est fait. Pensez à recharger son arme surtout. C'est quoi ça? Technique L. Une puce technique, d'accord. Tu pourras utiliser des techniques différentes, mais un singe tel que toi peut pas être sympa, merci. Tout un éventail de techniques, tu peux les organiser de la puissance en accédant au menu pause, niveau, technique, palette de techniques. Prends-toi un petit peu tes techniques. Fort, on peut apprendre des techniques au fur et à mesure. Soderbergh. Ok, très bien. Attends, 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 attends. On peut aller dans niveau et technique. Point d'expérience. Ah, on a des niveaux dans le jeu.
On est au niveau 1 pour l'instant. Choix du personnage, niveau et technique. Niveau suivant, 161 sur 500. Mais c'est énorme, il y a tellement de choses dedans. Ok, elle bouge pas. What? 75 de dégâts, ça lui fait? Mais c'est ouf. Ah, je peux pas, il faut que ça se recharge. Vous avez vu la petite touche? What? Mais monsieur, tu vas te calmer 5 minutes, toi? Oh. Il a combien de points de vie, ce gars? Ah, ça y est, c'est bon. Ok, on a chopé 150. Ok. C'est plutôt cool, mais elles ont un temps de charge entre chaque utilisation. Garde bien ça en tête. Tout est une question de timing. C'est pas forcément sur du rythme, mais faites... Mais c'est sympa, dis donc. Merci. Le jeu est ouf. Attends. What? Attends. D'accord. Ah, j'ai utilisé mon attaque, mais en fait, peut-être pas l'utiliser tout de suite. On va la garder pour plus tard. Ouais, eux, ils ont pas mal de vie, eux. Ok, une attaque lourde, ça suffit pour eux, de toute façon. Alors, tu ne gères pas la caméra dans le jeu, c'est un truc assez à savoir. La caméra se gère automatiquement. Tu gères le déplacement et tes attaques, qui sont ultra fun. Alors, on a la jauge de vie, par contre, niveau et technique, tu vois, regarde. Ça, c'est les attaques classiques qu'on a, et ça, trigger skill. Ok, choix du personnage. Batman, Travis Tadja. Je peux changer de personnage? Ah oui, du coup, c'est pour jouer en coop. Ah, lui, il a une batte de baseball. Ah oui, du coup, tu choisis ton personnage. En lui, il est au niveau... Il y a le petit 1. D'accord, ouais, du coup, la coop doit être ultra cool. I'll be back. Là, j'aime bien en mode Terminator, quoi. Vas-y, dégagez. Oh, ça doit être vachement cool pour la coop. Attends, oula, il va y avoir du monde, là. Oula, je le sens mal. What? Attends. Allez, boum! En secouant la manette. Oh là, ça fait tellement de dégâts. Wouh! Je récupère plein d'argent, les gars. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? On va être riche. Je vais vous défoncer votre tronche. Oh, j'ai plus de batterie dans mon arme. Attends, recharge. Allez, dépêche-toi. Tu peux utiliser ta super attaque. Boum! Ça, c'est ultra efficace, le gameplay. Hein. Oh non, il y a le gros. Ah, il y a le gros. Il y a le gros monsieur. Ah, j'ai raté. J'ai voulu secouer la manette au bon moment et je l'ai raté. Je peux même pas utiliser mon attaque encore, pas encore. Vous voyez qu'elle est en train de se recharger à gauche. Vas-y, bientôt. Vas-y, t'inquiète pas, j'arrive. T'inquiète pas. Maintenant. Boum. Alors, on fait moins la maline, hein. T'as rien à dire, mon gars. Vas-y, on va récupérer des pieds-pièces. Ça va faire du bien. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Très certainement à améliorer des choses derrière. Tu peux casser ça? On dirait que t'as récupéré les ressources de Hasvre. Les poètes est pleine d'objets très utiles et d'argent. Ah bah nickel, bah écoute, avec plaisir. On va pas se cacher. Toujours friand de ça dans le jeu. Tiens, il y a encore une boîte là. 300 d'argent on chope à chaque fois. Je suis Dr. Jeven. Jeven, d'accord. Okay, oui, d'accord. Il y a encore le personnage là. Bienvenue Travis Tadjan dans le monde d'Electric Thunder Tiger 2. Le fait que tu sois un hardcore gamer est bien connu ici. Ton immaturité... D'accord, très bien, merci monsieur. Chargement. C'est ultra efficace. Je trouve qu'on se prend vachement dans le jeu, personnellement. Bon, alors voyons voir ce que ça va nous réserver pour la suite, parce que là on est complètement dans un monde complètement what the fuck, avec des trucs dans tous les sens, des attaques dans tous les sens, un truc de fou. J'aime bien le système... alors j'ai l'impression qu'il y a un système de leveling un petit peu, avec des nouvelles techniques à apprendre au fur et à mesure. Assez linéaire, bien sûr, dans son évolution, mais ultra, ultra efficace. Attends. Boum! Oh là là. Ah, mais tu peux rien faire, mon gars. Tu peux rien faire, tu peux pas test. Oh là, il nous tire dessus. Il nous tire quoi? Il nous tire des bugs, en plus. En fait, on se bat contre des bugs, hein. Ok, il y a notre vie qui est en train de baisser de dingue. On est pas à la moitié, mais j'aime bien ce système de barre de vie, un peu, qui est représenté par notre joueur, hein. J'ai vu de l'argent à gauche là. Ah non, c'est une petite caisse à récupérer encore. 360 de piécettes. Alors, est-ce qu'on a des trucs avec les piécettes qui peuvent être utilisés ou pas? Pas du tout. Par contre, on a 285. Ouh, j'ai entendu un truc en face qui a l'air assez. Ok. Attends, on va faire un truc. Ah, je peux pas l'utiliser encore. Alors, il nous donne. Oh purée, y'a du monde là. Ah, on peut l'utiliser, ça y est. Et on secoue. Ah, boum. Ah, je l'ai raté.
J'ai pas l'air d'un déglingo hein, quand je secoue la manette comme ça. Bug Sputnik Blue. Oui, il va être encore plus puissant que l'autre à tous les coups. Génial, on va utiliser l'attaque directe sur lui, tu sais quoi. Boum, 75 direct dans ses FFS. Ah, on l'a tué direct. Oula, on est en train de souffrir en termes de vie. Ah, ils sont pas si forts que ça en fait. Ah, ils sont 20 de vie. Les attaques sautées, par contre, elles font grave du bien. En fait, c'est... Ah, ça, je peux pas les avoir comme ça. Attends. Ok. Boum, dans ta tronche. Ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous le voyez, mais sur l'écran, quand je fais sortir l'ennemi de l'écran, vous avez la jauge de danger qui vous signifie où aller avec une petite barre rouge en bas de l'écran, ou localiser à l'endroit où il y a l'ennemi. Je trouve ça plutôt sympa. Eh, c'est ultra efficace. Hein. Tu vois, j'en attendais pas grand-chose, que je savais pas ce que c'était. J'avais juste seulement vu un peu de gameplay, j'adore. Un peu de gameplay qui avait l'air ultra cool. Et franchement, je suis super impressionné par le jeu. Alors graphiquement bien sûr hein, c'est pas du top level, mais je pense que typiquement c'est le genre de jeu qui peut être ultra fun pour des séances comme ça où t'as juste envie de te détendre et de te faire plaisir. Ah, j'ai plus de recharge. Ok, c'est bon, ça devrait suffire. J'avais complètement oublié qu'il fallait recharger mon truc. Attends, regarde. Boum. Allez, on secoue la manette. Boum. Il en reste. Ah, c'est les bleus là. Tu vois la petite. Tu as vu là en bas de l'écran? Attends. Ok. Il reste lui. Je crois que c'est le dernier. Hein. C'était le dernier. Allez, vas-y. Tiens, un nouveau pouvoir. Hein. Dès que tu as obtenu une nouvelle puce technique, tu peux vérifier la technique qu'on attribue à chaque touche. Ah, d'accord. Donc on peut changer les touches. Ok. Tu pourrais associer les techniques que tu emploies le plus et enregistrer histoire d'aller plus vite. Sers-toi de cette fichue caboche. J'ai trouvé la combinaison. Ok. Donc cette fois-ci, on a deux techniques. Il y a puce technique. Tu vois, kill set. Voilà, regarde. Puce shipping, on peut la mettre là, non. Alors, on va mettre la puce psycho ici. Et en dessus, on va mettre la puce shining. Je sais pas ce que c'est, puce... on va essayer de voir ce que c'est. Et du coup, ouais, effectivement, on a la nouvelle technique. Oula. Dégage. Esquive. Et faut penser aux esquives. Il est super puissant, lui. Ok, c'est bon, on l'a eu. On va essayer la nouvelle technique là dans pas longtemps si on peut. Ils sont combien les gars? Ah, je peux utiliser mon... Attends. Vas-y. Ah, je les ai loupés. Ah, il y en a un orange. Je l'avais pas vu l'orange. Ah mon dieu, recherche ton sabre. Je sais pas si c'est un sabre, j'en sais rien, je m'en fiche. C'est un néon, je m'en bats les steaks. Tu bats ce que tu veux mon gars. Ok, c'est bon là, on va essayer de voir ce que c'est. Oh, pas mal. Ah, ça c'est le psycho, ça balance des trucs dans tous les sens j'ai l'impression. Ah, je suis à fond dans le jeu là les gars. Je te le dis. C'est bon, on les a eu. On va récupérer les pièces. J'aurais bien aimé savoir à quoi servaient les pièces. On le saura très certainement à la fin de la séquence. Oula, punaise, c'est du monde. Allez, ça dégage. Oh bah, il y aura encore plein de monde. Ok, ça dégage. Vas-y, psycho. Ah, ça fait 25 de dégâts le psycho. C'est pas contre les gros, mais contre les petits, ça peut servir. Il en reste qu'un. Par contre, on a récupéré toute notre vie. Attends, vas-y, recharge. Ok, c'est bon. Boum. Il en reste encore ou pas? Ouh, bah punaise, oui, bien sûr. Attends, vas-y, on peut utiliser ça. Oh, t'as vu, ça faisait un tigre. Ouais, c'est plutôt cool. Tu trouveras des stands de ramen de tout Japon à chaque niveau. En manger, restaurera tes points de vie, te rendra plus puissant. Même un gars comme toi sera revigoré. D'accord, on peut manger des trucs pour se revigorer. Attends, on va essayer. Attends, on va récupérer les pièces après. Bonjour, ramen. Oh, un client, bienvenue. Donne-moi vos meilleurs ramen. C'est noté. Et voilà. Mais c'est énorme. Non, mais le jeu part dans des délires. Et le mec, pour récupérer la vie, il mange des ramen, genre normal. Et il va au WC pour sauvegarder. Non, mais... Le jeu parle n'importe comment. T'as, qu'est-ce que tu veux toi? Tu nous parles pas? Voici les démos de mon grand-père. Si un homme doit pleurer, que ce soit dans ses rêves, s'il a encore besoin de pleurer, qu'il sèche ses larmes. Ok. Une pièce à steak. Je sais pas pourquoi, une pièce à steak. Tu peux échanger contre un t-shirt spécial dans la caravane. D'accord. Donc il y a une caravane quelque part. Ah, je pouvais aller à droite ou à gauche.
On est dans un labyrinthe un peu là. Attends. Ça, ça donne de l'argent. Vas-y, récupère. 300 pièces. Oula, ça sent pas bon ça. Ouais, je m'en doutais. Attends. Ah, c'est un... le tigre est ultra. Attends, vas-y. Psycho, boum. Ah, mon dieu, y a trop de monde. Attends. Boum. En fait, c'est les esquives. J'ai absolument. En fait, j'esquive pas énormément. Je saute plutôt qu'esquiver. Spam le bouton, un truc de malade. Esquive. Ouais, les esquives, ça sert pas à grand chose. Moi, je préfère sauter qu'esquiver. Hein. Ok, c'est bon, j'ai l'impression qu'il y en a plus que deux. On les a eu ou pas? Oh, il y a encore plein de monde. Ok, on va réutiliser le psycho, attention. Maintenant. Boum. Bah, le psycho, en fait, ça vise automatiquement, j'ai l'impression aussi. Il y a deux mecs là. Ok. Putain, mais vous êtes combien, les gars? Oh non, pas lui. Oh non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Non, mais il est relou ce mec aussi. Attends, vas-y, on peut l'avoir. Ok, 150 de dégâts. Esquive. Esquive. Mais dis, mec, tu te prends. Mais ils sont deux, fais gaffe. Attends, il y a bientôt le psycho qui se fait désactiver, attention. Ah, ça fait que 25. Ah, ça le. Ça le rend stun aussi. Attends. Boum. Goûte ça, mon gars. Ok. Oh, je le sens mal, ce truc. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou est-ce que... D'accord. On dirait que tu as accumulé pas mal d'expérience. Une fois assez d'expérience, si possible de monter de niveau, va dans le menu pause, niveau technique, niveau suivant. Ah bah voilà, j'ai oublié, expérience est commune, ok. On peut choisir l'un ou l'autre. Si tu en sens grave, tu vas même essayer de continuer le jeu sans monter de niveau comme un vrai gamer. Ah, on peut soit choisir dans niveau technique de monter de niveau, soit ne pas le faire. Ah, je veux un niveau de plus, je veux savoir. Ah d'accord, on dépense à chaque fois. Non, on va faire comme ça. Ok, ça donne quoi? Je l'ai fait? Je l'ai fait ou pas? Ouais, je l'ai fait. On est au niveau 2. Attaque 55, puissance, PV max 220. On a augmenté notre attaque et nos trucs. C'est non, un peu RPG et tout. Avec, mais j'aime bien avec les techniques à apprendre, les différentes pièces. Alors j'ai hâte de voir, parce que les pièces, on sait pas encore à quoi ça sert quand même. On va voir. Déjà, c'est cool qu'il y ait de l'expérience quand tu bats les ennemis. Pour gagner des niveaux. Mais alors les pièces, il n'y a personne qui nous explique comment ça se passe. Parce qu'on en récupère quand même énormément. Boum. Boum. Ok. Vas-y, dégage de là, toi. Ok. Est-ce qu'il y avait un truc de l'autre côté ou pas? Vas-y, Mia. Aïe. Bah, mais prévenez aussi, les gars. D'où il y a de l'électricité comme ça? Ah, il y avait... Ah, je l'ai pas vu, attends. Attends, 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 attends. Voilà, ça c'est pour WAM. Tu crois quoi? Moi, je récupère tout l'argent qui traîne, hein. Non, mais oh. Oui, bon, ça c'était pas voulu, à la base. Bon, en même temps, qui met de l'électricité comme ça, là, sur des petits trucs? C'est pas cool, hein. Tiens, il y a encore une caisse là-bas qu'on va aller se récup. Oh, on se récupère tellement d'argent, il y a intérêt à ce que ça permet d'acheter des trucs après, hein. Bah vu qu'ils ont parlé d'une caravane où on peut débloquer une tenue ou je sais pas quoi, avec de la chance ça peut débloquer des armes et des tenues. Je sais pas trop. Oula. Bonjour monsieur. Bug Gates. Gates, Gates, Gates. Alors toi je te mange direct. Ah bah je l'ai battu direct. Ah oh, je t'ai démonté ta tronche. Gauche. Gauche. On va aller voir. Aïe. Ouais, il y avait une caisse. Toujours plus d'argent. Ok. Oh les gars, non, vous abusez là. Vous êtes combien en même temps? Ah, il y a lui là. Ok, lui. En fait, il est pas si dur à battre ce mec. Hein. Attends. Il va y avoir un truc à récupérer par là. Sûr qu'il y a un truc là-bas. Non, non, doit y avoir un autre truc par là. Pour qu'il y ait autant de machins électriques, doit y avoir un truc. Aïe, 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 aïe. Non. Tiens, regarde, une pièce à steak. Tu peux les échanger contre... Ah, non. Ouais, tu peux les échanger contre des tenues, celle-ci. Ah, tu peux pas passer après. Ah, il faut revenir. Ah, c'est de l'abus général. Oh, on perd tellement de life.
Allez, précautionneusement. Encore un. Ok, ça passe. On a perdu plus de la moitié de notre vie pour récupérer ces fameuses pièces à steak, hein, quand même. Hein. Je le précise, il va y avoir du monde encore, là, je le sens. Tiens, t'es sûr? Vas-y, mais les gars, mais... Vous êtes prévisibles! Oh, tiens, regarde. Boum! Quoi, ça vous a pas soufflé? Vous avez plus de batterie dans mon truc? Attends, bouge pas. Ah oui, non, c'est le gros, ça! Attends, bouge pas. Je m'occupe de toi. Boum! Quoi, t'es pas mort? Ah si, c'est bon. Oh. Eh, mais les gars, mais c'est abusé. Eh, vous avez raté toute votre famille ou quoi? Ah, punaise, ma vie! Ah, je suis tellement low life. Ouais. Alors, attends. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Encore du people? Ok, il est stun. What? Mais d'où tu sors ton attaque, mec? Ah, j'ai plus de vie! Putain, dégage de là. Ah, la bulle, la bulle, la bulle, la bulle, la bulle totale! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, mais je l'ai eu tellement short, lui, j'avais plus de vie. Ah ouais, non, mais là, j'ai été ultra short. Hein. Alors là, je me fais toucher, à mon avis, et je dégomme. Hein. Voici le dernier mot de mon grand-père. Ne mange pas dans les chaînes de restaurants. Imagine les ingrédients qu'achète la direction. Imagine le pays d'origine. Imagine comment ils sont manipulés et gérés. T'y arrives pas, hein. Mais fais-toi des ingrédients que t'arrives pas à imaginer. Ouais, d'accord. Non, bah alors moi, tout ce que je veux, à la limite, c'est trouver un des WC ou un truc de ramène. C'est quoi ça? Apparaît dans cours de jeu. Tu peux les attaquer pour ouvrir des portes et effectuer diverses actions. Attaque. What? D'accord. D'accord, ok. Bah, oui, d'accord, pourquoi pas. Ça donne 300. Est-ce que si je passais à l'autre joueur, on va voir si je meurs ou pas. Moi, je dis que non. Le mec a tellement confiance. C'est beau d'avoir confiance. Oh là là là. Non! Ah, je suis pas mort. Ah, c'est beau d'avoir confiance, mais... Alors là, par contre, je suis tombé. Mais alors, si je me reprends un seul dégât, c'est finish. Je savais même pas qu'on pouvait tomber. C'est bon. Et bah, du coup, faire attention à ne pas tomber. Du coup... C'est-à-dire que la caméra t'aide pas énormément à ne pas tomber. J'ai l'impression d'être dans... Ah oui, c'est bon, ok. Vous connaissez le jeu Labyrinthe, un jeu de plateau qui est sorti il y a tellement longtemps. Mais c'était un jeu de plateau qui était trop bien à l'époque. Moi, j'adorais ce jeu. Et le fait est que ça me rappelle grave ça. Si c'est le cas, par contre, il va falloir qu'on s'arrête après. Parce que cette vidéo va être trop longue. Tu sais quoi, on va s'arrêter après. Promis. Je finis ça, je finis au moins ce level en essayant de pas mourir. Bah sinon on s'arrête quand je meurs. Ce qui peut être totalement une bonne chose. C'est par là. Hein. Le problème c'est que tu tombes. Vas-y. Allez, viens là. Et ça me rappelle le jeu Labyrinthe, c'était un jeu de plateau, voilà, où en fait tu gérais pas mal de trucs. Et en fait tu déplaçais des petites pièces. Pour cacher, je sais plus, c'était quoi, pour arriver au bout du jeu, je crois. Je sais plus du tout. Ok. Attends, attends, attends. Non, attends, attends. Ok, c'est bon, on t'a eu. Non. Je vais pas réutiliser ça. Bon, il y avait un passage à gauche. Je sais pas où est-ce qu'il menait. Mais moi, celui-ci me paraît le plus... What? Ok. Allez, dégage. What? Attends, attends. Ah, mais il explose en plus. Vas-y, dégage de là. Et ouais, en fait, c'est ça. Il a des espèces de bombes sur la tête ou je sais pas quoi et il explose. Si tu le bats pas avant, il explose. Oh purée. Ah! Mais fous-moi la paix! Dégage. Allez, défonce-le. Ok. 100 pièces. Ok, c'est bon. Je rappelle quand même que depuis tout à l'heure, j'ai plus de vie. Hein. Ah non, pas ça! Ah, c'est abusé, le jeu ne m'aime pas, en fait. Non, Trévis!
Comment ça se passe du coup? Continue. Oui, on a deux vies. Ah, on reprend au même endroit. Ouais, attends, je veux terminer quand même ça. Attends. Je vais au moins terminer ça pour voir ce que donnent les pièces. Juste pour voir. C'est rapide, mais du coup, une fois qu'on a terminé notre vie, une fois qu'on a terminé nos deux vies, c'est game over. Ça, c'est the bonne question. Ou à laquelle vous pourrez peut-être répondre dans les commentaires d'ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce Try Me Strike Again. Est-ce que vous êtes encore là au moment de la vidéo? Bah, je pose la question. Est-ce que tu es encore là? Si tu es encore là, dis-le moi dans les commentaires. Si tu as regardé la vidéo en entier. Ça me ferait plaisir. C'est toujours mieux de regarder une vidéo en entier. Déjà parce que pour le référencement, c'est mieux, hein, bien évidemment. Mais de deux, parce qu'au moins, ça permet de suivre l'intégralité du gameplay que je fais. Ah, c'est pas eu le temps. Où est-ce que tu vas? Attends, on en est où au niveau de l'expérience, d'ailleurs? 453 sur 1000. Tu vois, on a encore du temps. J'aurais bien aimé atteindre cette foutue caravane. Pour savoir comment ça se passe. Oula. Vas-y, dégage de là. Vas-y, mais il y a des bleus, des oranges, des verts, des jaunes. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas d'où ça sort. Eh les gars, je veux pas être méchant, mais... Vous êtes un peu relou. Ok. Oula. Spam le bouton. Ok, c'est bon, on l'a eu. Ok, ça passe. Non. Mais vas-y, mais arrêtez de m'électrocuter aussi, j'ai rien demandé. Ça passe. Oh, DVC. Oh, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce gameplay? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On se soulage un petit peu, hein, tranquillement, voilà. J'ai pas de timer, je sais pas depuis combien de temps dure cette vidéo. Non, on va continuer encore un tout petit poil, allez, soyons fous. Je ne sais pas, j'en sais, je n'ai aucune idée depuis quand dure cette vidéo. Ok, point de vie restauré. Attends, on va recharger notre arme. Ok. Ah, je suis à fond dedans, je ne sais pas. Oh là là, ça sent la grosse zone, ça. Ça sent le boss, non? T'as vu la taille de la zone? Ouais, c'est ce qui me semblait, ça sentait le boss. Hein. C'est quoi, c'est un bouc cochon, Shipman, ouais. Tu es un personnage du jeu, triple star est de retour. Non, attends, tu es un visiteur d'un autre monde, ou bien serais-tu un bandit? Je suis un assassin, je ne fais que passer. Normal. Pour quelqu'un qui ne fait que passer, tu sens le sang à plein nez. Tu ne tombes personne. Tu es un truand. Oh, les insultes. Je confirme que tu es un destructeur. Ralentissement. Programmé dans 5 secondes. Purée, mais qu'est-ce que t'aimes parler? Je vais être clément et te tuer rapidement. Je ne suis pas facile à vaincre. Voici ta première épreuve, scélérat. Mais c'est insulte. Sais-tu combien un mini-boss peut être effrayant? Sous-estime-moi et tu le paieras cher. Je vais te tuer et te faire connaître la vraie souffrance. Vas-y, mollo sur la parole. Les mini-boss ne disent rien normalement. Eh, mais j'aime bien parce que ça casse complètement le quatrième mur et. Tu vois, tiens. Allez, dégage. Dégage de là. What? Oh, calme-toi. Calme-toi, Shipman. Oh. Oula, oula. Attends. Tu sais quoi? Attaque! Y a pas de jauge de vie, en fait. Ouf. T'inquiète pas, je suis en train de recharger mes super attaques. Ok. Maintenant. Boum. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Attends, vas-y, tu sais quoi, je vais te rendre stun avec mon attaque là, regarde. Boum. 27, 25, 55. 27. Esquive. Mais tu peux pas esquiver, Travis, un moment? Oh, alors? On t'a jamais appris à esquiver dans ta vie? Voilà, comme ça. Ok, 55. Mais Travis, enfin, dis donc, tu sais bien qu'il attaque à chaque fois. Il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il est moche? Ah, je suis désolé, monsieur, mais vous êtes moche. Il a combien de life, ce mec? Boum. Ok, j'ai mon attaque de stun qui est bientôt prête. Maintenant. Oh, je l'ai eu. Oh, 1000 pièces, il me donne. C'est bon, ça. Allez, au revoir. J'ai même pas le temps. Moi, je cours direct. Ah, on va peut-être enfin atteindre cette fameuse caravane. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce que donnent les petites pièces qu'on accumule depuis le départ, quand même. Ça serait ultra cool de savoir. Toujours pas? Ah, une pièce à steak. Attends. Pièce à steak x 1. Il y a encore des pièces là. Ça sent le parking. Ça sent le parking. Eh mais les gars, mais... Eh mais non, sans déconner, mais vous avez appelé toute votre famille, c'est bien ce que je disais. Vas-y, défonce lui sa tronche. C'est ça, il y a une famille. Il y a une famille qui a été dérangée là-dedans, c'est possible. Vas-y, tu sais quoi, on va le terminer avec ça.
Boum. Ah, cette attaque a fait tellement du bien. Attends, par contre, si tu peux recharger ton truc pour le défoncer. Merci. Recharge ton sabre. Et je sais même pas si c'est un sabre, on sait rien. Personne ne nous dit rien. Ah! Ils vont exploser! Ils vont exploser! Oh, ils ont fait tellement de dégâts! Attends, maintenant. Boum. Ah! Messieurs, dames, enfin, alors. Eh! Hey, vous avez cru que c'était le nouvel an ou quoi? Bisous. Allez, ça crève. Attends. Il y a encore un truc là. Par contre, on a perdu max de life. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Ce que tu viens de recevoir est une pièce UE. Tu peux l'échanger contre un t-shirt spécial dans la caravane. Oui, mais elle est où cette caravane? On ne sait pas. Personne ne nous dit rien, enfin. Voyons. On veut bien, mais personne nous explique. Ah! Mais les gars, vous êtes combien? Boum! J'ai l'air d'un guignol quand je secoue la manette. Défonce-les! Ah, secoue la manette! Boum! Ah, j'ai plus de... Bah bien sûr, ça tombe en panne en plein milieu. Bien sûr, toujours. C'est toujours quand t'es dans une situation où les plus compliqués que tu tombes en panne, tu vois. Vas-y, bouffe. Bouffe ça, mon gars. Attends, on va recharger notre arme maintenant. Voilà, on va pas se faire laisser avoir. Attends, bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Voici les derniers mots de mon grand-père. Le savais-tu? Les Japonais mangent du gâteau à Noël. C'est une tradition bizarre et mystérieuse. Pourquoi ne mangez pas les douceurs japonaises? Voilà, c'est ma tête qui m'a défrayé anti-génial. Allez, au revoir. J'en sais rien. Eh, mais. Non, mais il y a un moment, le jeu ne m'aime pas. Attends, vas-y, maintenant. Boum. Je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Maintenant. Boum. Ça fait tellement du bien cette attaque, mais de ouf. Allez, dégage, encore un. Ok, c'est bon, on l'a eu. Boum. Non mais hey, arrêtez, il y a un moment, ça suffit les réunions de famille. Ok, recharge ton arme. Je cherche une caravane, messieurs dames. Une caravane, genre un truc sympa où je pourrais changer de vêtements, où je pourrais acheter des vêtements. Maintenant, secoue. Boum. Oh, avec le tigre, magnifique. Vas-y, mais ils explosent tous aussi. J'ai rien demandé, moi. Ah! Bouffe ça! Bouffe ça! Non, mais ça suffit, oui! Alors. Attends, j'ai dû choper vachement de niveau, là. Niveau et technique. Ah, je peux passer un niveau de plus. Allez, boum! Attaque 60, cette fois-ci, on est au niveau 3. Par contre, j'ai pas récupéré de technique supplémentaire. On va... non mais je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là, hein, parce que ça doit faire un sacré bout de temps pour cette vidéo. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Travis Strike Again, qui est ultra cool, ultra, ultra fun à jouer. Alors ça, par contre, je prends vraiment un kiff. Je pourrais jouer des heures, je pense, si je m'arrêtais pas. Donc je sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo. C'est vous qui me direz, d'ailleurs, dans la description, enfin, dans les commentaires. Bref, maintenant que mon personnage s'est soulagé, vous pouvez commander le jeu dans la description si vous souhaitez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, ça dépendra encore de toi, de ton écran. Salut, salut.